Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de boîte aux lettres. J'ai jamais fait cette vidéo et vous me direz en barre d'infos ce que vous en pensez, si vous voulez que je continue ou si les prochaines fois j'arrête. Je filme avec une nouvelle caméra, là ça va être un test, si la qualité n'est pas terrible. Mettez-le moi aussi en commentaire, je refilmerai la prochaine fois avec mon téléphone comme je faisais avant. Je n'ai pas de retour caméra parce que c'est une petite GoPro, donc l'écran est derrière. On verra ce que ça donne. Je vais tester et puis si ça ne fait pas, vous me le direz. Ou si ça ne fait vraiment pas, cette vidéo sera filmée avec à nouveau mon téléphone et je referai à nouveau la vidéo. Et voilà, donc on va pas trop traîner. Alors, comme première chose que j'ai reçue, je fais attention parce que le chat est en train de jouer avec le trépied. Les petits, tu descends là. Allez, descends mon cœur. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ces enveloppes. Donc oui, j'ai commandé sur Zoom. J'ai déjà reçu pas mal d'articles, mais que je ne vous ai pas montré. Je ferai peut-être une vidéo Zoom plus tard. Et voilà. Donc là, j'ai reçu ceci. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. C'est un marque-page. Alors là, vous pouvez mettre, alors, je ne sais pas du tout à niveau distance comment vous le montrer. Hein, parce que je ne vois pas trop. Alors ça, là, vous pouvez marquer un petit truc. Et sinon, vous le mettez comme ça dans le livre. Et là, vous avez un genre de petit papillon que vous pouvez plier comme ça et ça fait ça au-dessus du livre. Je suis en train de me demander est-ce que j'ai un livre pour vous montrer ça. Ouais, c'est mon livre de Sudoku. Donc si je mets le marque-page, hop, ça fait ça juste au-dessus du livre. Je trouve ça mignon. Moi je lis pas trop, donc j'ai pas trop besoin de marque-page, mais je l'ai acheté pour ma mère, donc je lui donnerai la prochaine fois que je vais chez eux. Et ça a été reçu dans une petite pochette comme ça. Pareil pour le prix, je ne sais pas, je vous le mettrai au-dessus de la vidéo. Après, j'ai reçu, ça je vais le mettre en dernier. Je suis sur plusieurs sites pour tester des produits que je reçois. Je dois en parler sur les réseaux sociaux. Et voilà, et après répondre à des petits questionnaires. Et là, c'est sur avec le site TRND, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. J'ai reçu ce petit produit. Désolée, on a été coupé, j'ai eu un appel téléphonique. Donc je disais, j'ai reçu ce Dove mousse de douche sur gras. Celui-là, c'est l'huile d'argan, mais il y a aussi huile de rose et huile de coco. Bon, je vais pas trop faire ma difficile, mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé tester l'huile de coco, j'adore la coco, mais l'huile d'argan sent super bon. Alors vous allez me dire pourquoi je sens le bouchon, mais là il y a un petit truc où on frotte et on a l'odeur dessus, et franchement il sent super bon. Ça fait vraiment une grosse mousse. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai déjà mis une photo de l'huile de rose, parce que j'ai testé aussi celui à la rose, et j'étais du coup dans mon bain et je vous ai montré la mousse dans la main et tout. Et franchement, alors il faut agiter avant de l'utiliser, ça fait vraiment de la mousse. C'est très facile à rincer, ça vous fait la peau super douce, l'odeur sent vraiment bon bon bon. Quand vous sentez votre corps après, il sent vraiment le produit, parce que certains produits, une fois qu'ils sont appliqués, après ça ne sent plus. Donc celui-là est vraiment super, et en plus il aide à raser. J'ai essayé ce matin par exemple pour le rasage, c'est vraiment top. Moi d'habitude j'utilise la mousse à raser pour hommes de chez Lidl. Là j'ai essayé exceptionnellement celui-ci, vraiment super. Il s'abuse bien, ça râpe pas, c'est vraiment très très bien. Donc pour se doucher c'est parfait, pour se raser c'est parfait, et ça sent super bon. Et c'est vraiment très agréable en mousse. Donc j'ai reçu comme ça avec un petit livret Dove avec les produits, un peu tout quoi. Et du coup c'est sur ce site là. Donc tout ça, de toute façon, vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos.
Deuxième chose que j'ai reçue, pareil, mais ça c'est sur un autre site de test, que c'est sur Nestlé Croplani. J'ai reçu le Ricoré Cappuccino. Alors ça par contre je pourrais pas vous en parler autant que l'autre parce que je l'ai reçu vraiment ce matin. J'ai été très contente de recevoir, je suis pas trop café mais j'avais vraiment envie de tester un cappuccino. Donc là ça va être super, ça va me permettre de tester et de voir si ça peut me plaire. Parce que bon, c'est vrai que cappuccino c'est pas vrai café, donc voilà. Donc j'ai reçu comme ça avec une petite feuille d'explication. J'ai pas eu le temps de tout lire vraiment. J'ai reçu des petits papiers comme ça. Alors je vais vous en sortir un vite fait. Hein. On va essayer de pas que ça dure pas trop longtemps. Comme ça. C'est des papiers à partager avec la nouvelle gamme Ricoré, du moins la gamme Ricoré, et 1 € de réduction pour l'achat. Donc ça c'est à partager avec mes amis, ma famille et tout. Donc ça sera à partager largement. Et alors j'étais vraiment contente parce que j'en ai reçu 2 comme ça. Donc c'est vraiment énorme. J'en ai reçu 2 comme ça. Ils sont vraiment gros, hein, comme vous pouvez voir au niveau de ma tête. C'est vraiment très très gros. Et j'ai reçu ce petit mug. Donc vous savez, c'est les mugs où on peut mettre du chaud ou du froid à l'intérieur. Ça reste bien chaud. Quand on met du chaud, ça se referme comme ça. Il est vraiment de très bonne qualité. Une assez grosse contenance, donc ça c'est super. Donc même si je ne mets pas forcément du café, je pourrais mettre du thé, je pourrais mettre pas mal de choses dedans. J'en ai déjà, mais qui commencent à se faire vieux, donc c'est super, ça fera un rechange. Donc j'étais vraiment contente de recevoir ce colis comme ça. Donc voilà, à tester, pareil, je vous en donnerai des nouvelles. Et pour finir, ça me perturbe vraiment de ne pas avoir me voir dans un retour écran, mais au moins là, je pense que je vous regarde vraiment en face. Par rapport à quand je filme avec mon téléphone. Et pour finir, j'ai reçu cette enveloppe de ma copine Laura, comme vous savez, ou ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un swap dernièrement avec elle, et elle devait me renvoyer une enveloppe supplémentaire par rapport au swap. Donc je viens de la recevoir, je vous mets pas, et je vous ai pas mis du coup la vidéo avec le swap, parce que le swap était déjà vachement long. Donc ceux qui n'ont pas vu le swap, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ou allez voir sur ma chaîne directement. C'était ma dernière vidéo tournée. Et dans cette enveloppe, il y a énormément, énormément, énormément de choses. J'ai dit, mais elle est trop folle. Alors, je sais qu'il y avait... alors, par exemple, je vais vous montrer déjà les 2 choses qu'elle avait pas presque pas utilisées, mais qu'elle m'a envoyé parce qu'elle l'utilise pas. Donc, c'est cette palette Révolution Makeup Londres. Elle est vraiment juste magnifique. Alors. Ah, je sais pas du tout si vous la voyez correctement. Si je vois que ça c'est pas vous l'aviez la voyez, je vais y arriver. Si je vois que vous la voyez pas correctement, je vous ferai des petites photos que je vous inclurai à la vidéo. Donc celle-ci, et elle m'a donné celle-ci aussi, la Zoeva. Je connaissais pas pour les deux, hein, je connaissais pas du tout la marque. Elles sont juste magnifiques. Donc la Zoeva se présente comme ça. Elles sont juste trop trop belles. C'est en plus, c'est pile poil mes couleurs. Franchement, c'est vraiment les couleurs que j'aime en ce moment. J'aime bien ces couleurs-là un peu discrètes. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré. Comme la dernière fois qu'elle m'a envoyé un petit colis, j'ai eu du thé Twins, je sais pas si ça se dit comme ça, au thé vert, super, elle sait que j'adore le thé, donc ça va être génial. Elle m'a mis ce petit masque d'Onyx, que je connais pas non plus, un peel-off, à tester, donc et en plus il y en a 2, comme vous pouvez voir, donc ça sera super. Elle m'a acheté, parce que du coup, moi, on m'en parlait, hein, je disais que je voulais les acheter en promo avec les soldes à Sephora, mais que chez moi, il n'y en avait plus. Donc, elle m'a pris celui-ci pour le visage à la grenade. J'ai jamais testé à la grenade, ni à celui-ci, qui est à la perle. Je pense que c'est dans les derniers, parce que j'en ai commandé dernièrement et je ne les avais pas vus, ceux-là. Et elle m'a pris celui-là aussi, ça c'est un petit nouveau, je sais, de Sephora, les masques à cheveux pour la nuit. Et par rapport à mon type de cheveux, j'avais vu que le karité était pas trop mal.
Je ne sais pas s'ils le mettent derrière, masque nuit, ça pique ses cheveux secs. Son doux, souple, beau, hein. Je sais plus, je crois que j'avais vu que c'était contre la perte de cheveux, alors que moi je perds énormément. Non, voilà, c'est ça. J'avais pas vu, c'est marqué juste au-dessus là. Fortifiant anti-casse. Alors mes cheveux se cassent énormément, je perds énormément mes cheveux. Donc à tester pareil une nuit, ça va être génial. Et pour finir, pour moi, le meilleur. Donc bon, tout ça, je l'adore, hein. Je suis vraiment super contente. Mais alors cette marque-là, je l'ai vue je sais pas combien de fois sur des vidéos. Et oui, c'est du Too Faced. Et je n'ai jamais testé cette marque-là. C'est la Mate Chocolate Chip. C'est la toute petite. Et franchement, c'est super parce que pour partir en vacances ou en week-end ou quoi que ce soit, c'est vraiment génial. Elle a plusieurs couleurs, hein, je vous les dirai pas toutes parce qu'elles sont toutes marquées là. Je pense que vous la connaissez, une bonne partie d'entre vous, vous la connaissez. Donc voilà, c'est celle-là. Elle sent vraiment. Elle sent super bon. Je suis au régime et par exemple là, je vais essayer de m'approcher. Je sais pas si vous allez voir. Je me suis maquillée avec celle-là actuellement. Et je me suis maquillée là. J'ai pris. D'ailleurs, je vais peut-être vous pouvoir vous dire ce que j'ai actuellement. J'ai celle-ci. Donc c'est là. Match gris cordial que j'ai mis sur les yeux et l'intérieur c'est le white chocolate que j'ai utilisé et franchement alors déjà elle sent super bon et en plus elle est magnifique pareil ça rentre pile poil dans mes couleurs je suis vraiment super contente et voilà et j'avais vraiment pas cette marque et j'arrêtais pas d'en voir partout sur les vidéos et je suis vraiment trop contente donc je te fais encore un gros gros bisou ma chère Laura et surtout merci et voilà et si du coup ça vous a plu que j'ouvre ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres de temps en temps hein, c'est vrai que quand j'ai pas des gros articles à ce moment-là je vous les mettrai mais là ma boîte aux lettres était quand même bien remplie donc j'en ai profité. Si là, pareil, si vous trouvez que la qualité de la vidéo avec mon nouvel appareil vous plaît, dites-le moi en barre d'infos. Sinon, je repasserai sur mon téléphone. Et ce serait dommage que j'ai acheté une caméra pour pas grand-chose. Donc voilà, à vous de me dire. Et je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite.